voulez, ou tu dois, quand on fait un match, je te fais plus tôt, alors, c'est juste ton mot. Ah oui, bien sûr, c'est la guerre. Et avec contact. Voilà. Et puis, elle fait donc l'exercice suivant. Si je le faisais, ça aurait beaucoup moins de valeur que si c'est eux qui le font. Le Taïsaba qui est esquive se fait par l'autre rotation. C'est la même entrée, la même attaque. On y va, on commence. Vous arrêtez avant le coup de poing. Voilà. Dans le coup de poing ici, la rotation va se faire en agachi pied arrière. Mais sans déplacement du pied arrière. Voilà, ça c'est... Remets-toi en place, hein. Le pied arrière est haut. C'est comme ça, déjà. Ouais. Alors, je te fais que ça. Ah, la gâche, le pied arrière. Tu l'as bien fait tout à l'heure, mais tu avais des places. Voilà. Maintenant, ici, on fait Ushiro et Kiyotashi. Faire avec un éclairage sur la poule. Hop. Viens d'avoir sur la jambe. S'empêcher de passer ça. Je l'ai pas vu, hein. Mais j'ai bien vu. Hop. Il a perdu l'avance des équilibres adverses. C'est du moment où, dans ma rotation, ils sont suffis, sur mon front arrière en déplaçant, je lui redonne de l'assise. Je dois le faire. Voilà. Ah, c'est sur place. Il est toujours en déséquilibre sur son arrière. La jambe arrière, c'est Taïsabaki, c'est Nagashi. Nagashi, vous savez le faire, quand on fait sur place, on fait autre chose. Dans Nagashi, c'est ça, et quand on fait ça, c'est ça. Si on déplace la jambe, on crée une distance qui donne de l'assise, et c'est foutu, on commence. Faites une fois dans l'autre gauche pour assimiler. Voilà.